Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dragon Age Inquisition, et aujourd'hui on va faire la vidéo Le pauvre garçon abandonné. Donc il y a un certain Cole qui est arrivé pour nous prévenir de l'attaque imminente de l'ancien sur Dars, et je ne le connais pas, donc on va aller papoter avec lui pour voir ce qu'il va nous dire. Si je le trouve. Bon. C'est un raccourci que j'ai pris, mais tant que ça fonctionne, c'est qui c'est? Chirurgien, ah bon. Bon, est-ce qu'il est? Est-ce qu'il... Ah. Cherchez Cole. Mais ça contredit tout ce qu'on sait sur l'immatériel. Et alors? Inquisitrice, je me demandais si Cole était un mage, étant donné ses étranges talents. Il peut faire en sorte que les gens l'oublient, ou ne le voient même pas. Ce ne sont pas les talents d'un mage. Cole m'a tout l'air d'un esprit. Un démon, plutôt. Si vous préférez, quoique la vérité soit plus compliquée que ça. Compliqué, Je crois que j'ai eu mon lot de complications, Solas. Il faut comprendre ce qui rend cet esprit aussi unique. Soyez clair, Solas. On a affaire à quoi? Les démons pénètrent généralement dans ce monde en prenant possession d'un corps. Leur forme réelle est étrange, monstrueuse. Mais vous dites que Cole ressemble à un jeune homme. C'est de la possession? Non. Il n'a pris possession de rien ni de personne. Et il a pourtant l'air tout à fait humain. Cole est unique, Inquisitrice. Il ne demande qu'à nous aider. Je suis d'avis que vous l'y autorisiez. Je veux lui parler. Je devrais écouter ce que Cole a à dire de tout ça. Il est où maintenant? Si aucun de nous ne se souvient de lui, il pourrait être... Alors tout est flou là. Coucou toi. Dars. Tant de soldats se sont battus pour protéger les pèlerins et leur permettre de s'échapper. Une peur étouffante. Le médicament m'empêche de réfléchir. Mais mes plaies m'assaillent à chaque battement de mon cœur. Tout fait mal. Tout brûle. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais... Je meurs. Je suis... mort. Je vois que vous trouvez vos marques, Cole. Vous avez peur que vous ayez du mal à vous intégrer. Chaque souffle est plus lent, comme dans un bain chaud. Je glisse, je sens les cheveux de ma fille quand je l'embrasse pour lui dire bonne nuit. Parti. Souffre. Sèche. Cassé. Soif. Tenez. Merci. Tout va bien. Elle ne se souviendra pas de moi. Vous utilisez vos pouvoirs d'esprit pour aider les gens? Oui. Avant, je pensais que j'étais un fantôme. Je ne savais pas. J'ai fait des erreurs. Mais je me suis fait des amis aussi. Et puis, un Templier a prouvé que je n'étais pas réel. J'ai perdu mes amis. J'ai tout perdu. J'ai appris comment être plus comme je suis. Ça m'a rendu différent, mais plus fort. Je peux ressentir davantage. Je peux aider. Oh, on va le garder, hein. Si ça vous dit, l'Inquisition aurait bien besoin de votre aide. Oui, aider. Je soigne les blessés, les nécessiteux. Il y a quelqu'un... Mal. J'ai mal. J'ai mal. Que quelqu'un m'aide. Créateur, pitié. Les guérisseurs ont fait tout ce qu'ils ont pu. Il va mettre des heures à mourir. Chaque instant n'est qu'agonie. Il demande de l'aide, de la clémence. Ah ah.
Voilà, on va voir, on sait jamais. Vous dites qu'il ne mourra pas avant des heures, mais vous ne pouvez pas en être sûr. Son corps faiblit. Il pourrait s'en remettre. Ou bien les guérisseurs pourraient trouver une autre solution. Comment le savez-vous? Je n'en sais rien. Et vous non plus. C'est la vie. Essayez. Je veux rester. Bon, ben voilà. C'est louche. C'est très louche. Bref, non, il a l'air de bien me plaire. Je pense que ça, si on peut jouer avec lui, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'il veut, le chirurgien? Inquisitrice, vous avez besoin de moi? Je devrais vraiment me concentrer sur les blessés. Bon, bah alors, concentre-toi, fais ton boulot. Votre grâce. Votre grâce, carrément. Ah bah, ça rigole plus, les amis. Hein. Bon, bah, on peut tous leur parler, c'est bien, ça. Bon, ben on va s'arrêter ici, c'était petit, court, mais intense, hein. Faut pas plus. Hein. Je vous dis à la prochaine, voilà, je vais me faire le petit commentaire, et salut tout le monde.